Les bienvenus pour cette journée qui va être très chargée, avec un programme très riche. Avec beaucoup d'intervenants. Je vais me présenter un petit peu et puis je vais, je vais vous dire comment cette idée m'est venue, quels ont, quels ont été mes, mes souhaits, mes enjeux, mes regrets. Le mouvement des Gilets jaunes, pour beaucoup, c'est un mouvement qui est extraordinaire dans sa durée, son intensité. Sa géographie, en tant que mouvement politique, c'est un mouvement qui est original parce que son origine est provinciale, il n'est pas parisienne. Je pense cependant que Laurent Jean-Pierre, qui malheureusement ne pourra pas être avec nous, a raison de dire qu'il ne sort pas de nulle part. Il est né dans le sillage de la tradition anarchiste et communaliste qui renaît à travers le mouvement des Gilets jaunes dans toute la France. Mais avec des renouvellements et des réappropriations... Étonnante, notamment dans un certain rapport à la technologie, chose qui ne, ne s'était pas produite avec une telle intensité et un tel renouveau dans des luttes ou des mouvements sociopolitiques français antérieurs. Je parle bien de la France, mais avec l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des nouvelles technologies numériques, on a vu essaimer dans plusieurs endroits du monde une réappropriation étonnante à des fins politiques. Et je crois qu'on peut dire que le mouvement des Gilets jaunes est le premier mouvement de ce type-là en France. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a vu à la fois euh, ces appropriations euh, se développer avec euh, un renouveau de la tradition euh, communaliste. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça lorsque je suis parti manifester euh, à Paris, sur les Champs-Élysées et euh, ailleurs, avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que, que citoyen en tant que responsable d'une association qui s'appelle Nous Design et qui essaye de faire collaborer ensemble des acteurs politiques, que sont les Gilets jaunes, des scientifiques au sens large du terme et des designers, qu'est-ce que je peux faire avec les Gilets jaunes je me suis aperçu que euh, ce mouvement des Gilets jaunes, ce n'était pas seulement un moment qui s'était approprié des, des nouvelles euh, technologies, c'était aussi un moment qui avait euh, euh, participé à leur réinvention. Il y a eu plein d'expériences, d'expérimentations technologiques chez les automédias, chez les plateformes numériques qui ont essaimé en France, à Toulouse et bien ailleurs encore. Et je me suis dit, c'est peut-être là que je pourrais intervenir, pour essayer de produire une rencontre sur les Gilets jaunes à l'endroit justement de la conception euh, technologique à des fins politiques. C'est comme ça que, que m'est venue euh, euh, l'idée de cette, de cette rencontre commune. Alors, euh, plus précisément, si je devrais essayer de faire émerger une problématique, il se trouve qu'il euh, y a une, une espèce de hasard de, de l'histoire qui fait qu'entre la, la, la tradition communaliste qui a été euh, renouvelée par les Gilets jaunes et par ailleurs l'avancée des recherches technologiques euh, numériques, il y a une rencontre qui peut se faire parce que dans le domaine de la recherche, il y a en ce moment, enfin depuis quelques années, un foisonnement très fort autour du logiciel libre, des systèmes décentralisés, des communs numériques, euh, du design participatif, contributif, qui, à mon avis, peuvent rencontrer la tradition communaliste. Et je me suis dit que voilà, là, il y avait vraiment quelque chose, une carte à jouer, et c'est cet enjeu que je vous propose. Voilà, d'aborder aujourd'hui. Donc, je, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. J'espère que, euh, voilà, que le, nous, nous serons allés au-delà des éthiques, des cultures de chacun. Je vous remercie trois fois. Et là, je m'adresse aux intervenants en particulier d'avoir accepté cette invitation. La première, c'est d'être venu. Et la deuxième, c'est que, au nom de cette diversité, euh, en venant, vous acceptiez aussi euh, euh, une certaine altérité de point de vue, de culture, d'éthique. Je sais très bien que les intervenants que j'ai invités aujourd'hui ne sont pas tous d'accord et c'est pour ça que je les invitais. Parce qu'un de mes partis pris, c'était aussi d'essayer de, de représenter le mouvement dans sa diversité et surtout de permettre à des gens de province de venir à Paris. Donc il y a une certaine diversité, il va falloir faire avec et justement c'est ça qui est, qui est intéressant. Voilà, alors j'ai quelques regrets évidemment et j'en terminerai là. Dans les intervenants, vous l'aurez remarqué, il y a très peu de femmes qui sont présentes et, et c'est un regret important que j'ai, Valérie Peugeot, Antoinette Rouvroy, Anna Lombert, Jeanne Schradin, Oda Meyer, Anaïs Noni et bien d'autres femmes ont malheureusement décliné leur habitation pour des raisons personnelles et pratiques. Mais mon intention de départ était bien qu'il y ait une certaine parité à cet endroit-là. Je ne vais pas m'étendre plus, j'ai plein de choses à vous dire. Je vais laisser la parole à la première session qui s'intitule « Médiation et médiatisation ». Et donc, m'intéresser avec Yves Citon qui anime cette journée-là à la question des automédias. Yves, je te laisse la parole je vous remercie encore vivement d'être venu et je vous remercie aussi de respecter ce temps de parole qui est évidemment très réduit en raison de la, de la quantité d'intervenants voilà qui auront ensuite l'occasion d'approfondir leurs leur recherches et leurs questions lors du temps des ateliers. Merci à tous, merci à Yves, merci à vous d'être venu. Et je prends juste quelques minutes pendant que vous applaudissez déjà par avance Igor Galigo et toute l'équipe qui avait monté cette chose absolument improbable et euh, mystérieuse et euh, inspirante. Donc merci beaucoup pour tout ce travail. Euh, je ne vais oui, On, on l'irait réapplaudit déjà par avance. Je pense que ce soir ça, ça se fera aussi, mais en tout cas déjà maintenant. Euh... Vous avez le programme avec le nom et euh, l'activité ou une des activités des participants. On a très très peu de temps. L'idée, c'est de les écouter, nous euh, lancer des idées. Donc la règle du jeu, c'est que chacun, chacune a euh, cinq minutes euh, et que l'exercice que j'ai proposé, c'est d'essayer, après ils font ce qu'ils veulent, mais d'essayer de à la fois euh, mettre en exergue une observation dans le rapport entre le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qu'on qu observe dans le mouvement des Gilets jaunes, et le rapport à la communication, aux médias, à la médiatisation, donc une observation. Et ensuite, si possible, une suggestion, une proposition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment dans les jours, les mois, les années, les décennies qui viennent, euh, étant donné ce qu'on a pu observer, étant donné ce qui est en train de se faire, observation, qu'est-ce qu'il qu qu y a de principal Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer de faire différemment, si possible, mieux je vous propose donc euh, bah, qu'on prenne chacun et chacune des intervenants. Juste dites votre nom pour qu'on puisse vous identifier euh, ici et après les Alors, petites cinq minutes. Merci beaucoup. Donc, moi, c'est Natacha. Je suis euh, donc euh, l'initiatrice de Banque Banque TV qui est donc un agrégateur de vidéos où je réunis la plupart d'entre nous, tous ceux qui créent des contenus autour du mouvement des Gilets jaunes, mais pas que, autour de tout ce qui est politique et société. Comme j'ai préparé un petit texte parce que je suis nulle en improvisation, je vais essayer de faire vite. Alors, en étoffant le catalogue de Banque Banque TV... J'ai pu observer une accélération du phénomène qui émerge déjà depuis quelques années sur les divers canaux d'expression ouverts aux citoyens, YouTube, les réseaux sociaux, mais aussi en local, avec de plus en plus de retransmissions, de réunions publiques, de conférences, de TEDx et en fait euh, d'éducation populaire. Un réflexe que n'ont pas manqué de reprendre les Gilets jaunes en filmant leurs réunions avec une volonté de transparence et d'horizontalité malgré le risque d'être exposé, mais on est vraiment ici dans l'idée du partage, d'ouverture aux autres et de démocratie. Cette spontanéité politique non filtrée et libre est bien sûr taxée euh, très rapidement d'illégitime. On est premièrement noyé sous un flot d'informations pour lesquelles il faut mesurer soi-même le degré de vérité et d'intox. Mais il y a aussi une stratégie de ceux qui aimeraient museler cette parole, de jeter de l'huile sur le feu en brouillant les pistes. Je parle bien des haros aux fake news et des étiquettes de complotistes. Que les médias mainstream s'emploient maintenant à combattre. C'est-à-dire que ceux-là même qui, ont fond, qui, ont, qui nous ont foutu dedans veulent maintenant arbitrer le vrai du faux, ce qui est surtout une tentative de relégitimiser et de récupérer le monopole de l'information fiable. Ce qu'on voit, c'est que ce monstre d'information incontrôlée s'autorégule assez naturellement, sans leur aide, puisqu'on voit émerger des outils comme Captain Fact, euh, qui permet aux citoyens eux-mêmes de faire du fact-checking sourcé ou encore des sites comme le Gorafi, qui sous ses airs comico-stupides, obligent en réalité les citoyens à se poser des questions et à reconsidérer l'information en développant leur esprit d'analyse, un peu comme un bonbon au poivre. Principalement, on trouve sur le net des vidéos citoyennes et Gilets jaunes qui visent à la réinformation, c'est dû à une insatisfaction générale et une défiance face à des médias mainstream qui bavardent, qui ne sont plus dans l'objectivité et surtout qui ne représentent plus l'ensemble des citoyens. Nous assistons littéralement à des discussions de comptoir bourgeois d'un niveau intellectuel et moral franchement horripilant et une cacophonie hystérisante que de moins en moins de gens supportent. Beaucoup d'entre nous, je pense, ont fait sécession vis-à-vis de la télé. Moi, par exemple, je n'ai plus de télé depuis dix ans. Et je préfère choisir l'information qui m'intéresse sur Internet. Je pense que beaucoup préfèrent aussi la radio ou des journaux qui remettent de la pluralité dans l'information. Et je pense que c'est ce dont il s'agit ici. Il y a un constat qui est très net. Il manque une voix dans les chaînes d'information de télé française. On est sur un alignement total au libéralisme sur les chaînes existantes et ce n'est pas représentatif de la population. Dans les suggestions, puisqu'on parle de démocratie numérique, quand est-ce qu'on va enfin mettre en place des outils qui permettent aux citoyens de ne plus être un ondima amalgamé entre ceux qui boivent ça comme du petit lait et ceux qui regardent ça juste par fascination du ridicule et des esclandres Il faudrait pouvoir se prononcer en faveur ou en défaveur des programmes, des chroniqueurs et du traitement de l'info le zapping de la télécommande ne suffit plus à qualifier l'audima ni la légitimité d'un programme. Je pense que les citoyens devraient se saisir d'un moyen de disqualifier et de mesurer l'amplitude de la médiocrité journalistique mainstream hein. ou alors euh, il faut faire émerger une nouvelle chaîne d'information mais cela pose alors d'autres questions en pratique. Euh, rapidement parce que je vais laisser la parole aux autres, euh, il y a encore d'autres formes euh, de vidéos qui émergent donc c'est euh, la critique franche du système. Avec des formes allant de la satire aux vidéos de décryptage ou de debunking média, euh, comme le fait Bruno Antiste ou le, les zappings de Pixelmore qui est en retard, euh, ou encore le journal satirique de Studio Crapulax, euh, ou C'est Mille choses à te dire qui est à côté de moi, qui arrive avec impertinence et pertinence à remonter au premier plan des infos qui passeraient souvent inaperçues. On a aussi beaucoup de pédagogie, de plus en plus de provocateurs qui plaisent par leur franc-parler, mais aussi des historiens, des philosophes, des profs, des professions très variées qui témoignent des aberrations dans leur secteur. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que les, écologiques, les écologistes sont maintenant passés d'un cap d'information et de petites actions coup de poing qui visaient à être vues euh, sur les, mé les médias mainstream à un cap de militantisme beaucoup plus continu avec leurs propres médias émergents comme le JTER où tu as été d'ailleurs invité. Bon j'arrête là. Merci beaucoup d'avoir retenu le, la consigne horaire de façon scrupuleuse. Donc euh, je me présente rapidement. Donc, euh, je m'appelle Julien. J'ai euh, couvert les, manif, euh, les manifestations euh, beaucoup sur Paris et ailleurs. Donc en fait, euh, voilà, j'ai réalisé ces images. Euh, j'ai assisté en 2019, beaucoup en 2019, à, à, parmi les manifestations justement euh, les plus violentes de l'année. Sur le terrain, ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, en fait, on a les médias, euh, on va appeler un mainstream, qui s'opposent aux médias euh, indépendants. Donc ce que j'appelle médias indépendants, c'est-à-dire euh, qui ne sont pas financés par l'État ou euh, des milliardaires. Et euh, une vraie guerre médiatique euh, a débuté en fait entre les, ces deux médias, mainstream et euh, et indépendant. Les médias télévisuels, les gros médias qu'on connaît, en fait, je, je vois ça un peu comme un énorme faisceau lumineux qui permet de capter énormément l'attention, en fait, du, du plus grand nombre. Et euh, les médias indépendants, donc on est euh, une centaine à peu près sur le terrain à essayer de, de, de montrer un peu ce qui se passe au travers des images. Le problème, c'est qu'on est chacun un peu de notre côté. On n'est pas aussi organisé que la presse mainstream, forcément, puisque du coup, c'est pas Hiérarchisé pareil, on n'a pas la même organisation. Donc euh, la presse indépendante, je vois ça un peu comme des gens qui essaieraient d'éclairer avec une, une lampe torche euh, et essayer de montrer quelque chose, mais face à un rayon qui est ultra puissant du coup. Mais par contre, on est aidé par euh, plusieurs organes de presse. Il y a les individus qui sont sur le terrain, les journalistes, photographes, vidéastes. Ensuite, on a les lanceurs d'alerte. Donc euh, je pense par exemple à Snowden euh, dans Le Monde, ou alors. Euh, dans les Gilets jaunes en France, je pense à François Boulot, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez. Ces gens-là, en tant qu'individu, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on est relayé par des pages, par exemple, cerveau non disponible pour mon cas, ce qui a fait passer du coup, la visibilité à quelques milliers, personnellement, de vues à des centaines de milliers. Sans ces pages-là, mon travail n'aurait jamais pu se diffuser. Ensuite, on a des chaînes d'infos, je pense à Quartier Général, Le Média, par exemple. Donc là, on passe à des, une audience encore plus élevée. Euh, ensuite, on a des chaînes YouTube, où là, pareil, euh, pas mal d'audience. La presse nationale, je pense à Mediapart, qui là, euh, du coup, c'est au niveau national. Et ensuite, des chaînes télé internationales, comme Arte, où vraiment là, l'information, du coup, est différente euh, et permet d'avoir une visibilité. Mais tout ça n'est pas aussi organisé que la presse, euh, voilà, la presse mainstream. Les, les, les quelques problèmes que j'ai pu noter, donc, euh, premier problème, euh, c'est que cet énorme faisceau des médias mainstream, il est immense, uniforme, et, euh, mais il est structuré, donc, à l'inverse des médias euh, indépendants, où ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas vraiment les, les gérer aussi, donc c'est ce qui permet euh, leur indépendance et leur liberté. Le deuxième problème, c'est que la, la presse indépendante est en danger à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel jusqu'à, par exemple, Mediapart, avec. Euh, la perquisition récente, donc en fait, il y a une vraie répression, puisqu'elle peut corrompre, intimider ou réduire au silence avec une facilité déconcertante. Troisième problème, c'est. Euh, alors, ça, c'est personnel, mais regarder une interview, par exemple, d'une chaîne comme Thinkerview, euh, bah, ça, fait, ça fait un peu mal, en fait, ça fait ouvrir les yeux, donc euh, c'est sûr qu'on préfère parfois regarder une information. Euh, qui est retraitée ou qui est un peu plus amusante que quelque chose comme ça, qui est un peu plus perturbant, qui peut être anxiogène. Et pour finir, je vois quatre enjeux majeurs en fait au niveau de, des médias. C'est le premier enjeu, c'est comment amener le public de la télévision, donc je parle à s'informer autrement. Donc voilà. Le deuxième enjeu, ce serait comment rendre l'information divertissante et pédagogique, l'information qu'on veut montrer différent des des médias mainstream divertissante et pédagogique malgré euh, son côté anxiogène, effectivement, parce que bon, euh, ces images, euh, c'est sûr que bon, ça peut faire un peu flipper. Euh, le troisième enjeu, c'est comment structurer les médias indépendants pour élargir et recentrer leur faisceau tout en restant une presse indépendante, parce que du coup, plus c'est structuré, plus le faisceau que créent les, les médias indépendants va être grand et large et va pouvoir concurrencer euh, les médias justement mainstream, où là, le, le faisceau est tout simplement immense. Et euh, quatrième enjeu, euh, comment protéger un groupe minoritaire face à un pouvoir euh, autoritaire et répressif Bon, voilà. Bah euh Super, merci beaucoup merci pour la richesse des images. Je fais juste une note en bas de page sur une nouvelle d'Alain Damasio qui s'appelle So Far Away qui développe sur une cinquantaine de pages le gros faisceau qui nous aveugle, les petits faisceaux qui s'aveuglent aussi entre eux parce qu'on ne sait pas où regarder, etc. So Far Away, Alain Damasio. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jemil et ça s'écrit exactement comme ça ne se prononce pas. C'est mille. Chose à te dire sur YouTube. Voilà pour commencer. Alors, les le mouvement des Gilets jaunes, moi, je l'ai observé comme tout le monde et aussi, je l'ai vécu de l'intérieur et documenté aussi en vidéo à l'écran. Pas d'extrait, j'y ai pas pensé. Euh, et donc j'ai un, 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 dou, un double une double position, c'est-à-dire que pour pouvoir le traiter comme je j'ai eu envie de le faire, il a fallu du coup m'en extraire. Alors que ben faut pas oublier que je suis un rien, comme on le dit, euh, parce que ma classe sociale, ben, ce sont ce sont des riens. Hein, voilà, je ne veux pas faire un dessin. Donc il y a quelque chose de très important pour moi, c'est-à-dire de contextualiser, d'intégrer euh, ce mouvement des gilets jaunes euh, et tout ce que ça comporte euh, dans quelque chose de plus large, c'est-à-dire le moment politique que l'on vit. Euh, qu contemporain et moderne, c'est ce que je, je fais sur Internet jusqu'alors. J'ai pas beaucoup de mémoire, donc j'ai aussi écrit des trucs sur mon calepin. Donc ce qui m'a le plus frappé dans, dans ce que l'on a vécu avec les Gilets jaunes, c'est que dès le départ, en fait, on a, on a parce que je m'intègre dedans, entrepris de faire le boulot à la place des médias. Euh, sans le réaliser au départ, c'est-à-dire que euh, on était dedans et donc il a fallu euh, témoigner, filmer euh, euh, pour transmettre. Enfin, on a eu ce réflexe-là euh, avant même de réaliser euh, l'aspect média citoyen ou même le pouvoir qu'on qu 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 a pu avoir et qu'on a chaque jour un peu plus parce que nos audiences augmentent, parce que euh, les, 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 ben, le, le fait que les images puissent circuler sur Internet, ben ça fait, euh, ça, ça atteint un public de manière différente qui cherche, comme tu disais tout à l'heure, bah, une information plus vraie, plus, plus directe, avec moins de filtres, une certaine bourgeoisie qui viendrait à, à diriger euh, ces flux d'informations. La, la lettre, moi je suis venu grâce à la lettre, la vidéo que vous avez faite sur la lettre, celle où vous avez décrypté la lettre, qui m'a convaincu de venir, euh, parce que moi je, soutenais les, je soutiens les gilets jaunes, mais je me suis dit, bon, allez, je ne vais pas y aller. Mais là, c'est l'élément déclencheur qui m'a fait que je suis passé euh, du soutien à, à l'actif. Donc dans le même temps en même temps, on a constaté, du coup, par l'expérience, que ces flux d'information mainstream, qu'on a nommé après mainstream, euh, étaient détenus par 8 personnes, 10 personnes, euh, industriels, les intérêts, tout ça, et des conflits d'intérêts. Et donc, euh, on s'est rendu compte que, euh, et en vivant, que cette défiance, puis le rejet qu'on a envers les institutions politiques, qu'on veut changer, qu'on veut détruire, remplacer, enfin, tout ça, et euh, notre représentativité, qui ne représente pas grand-chose dans, dans la population, euh, au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, donc, Envers eux, on avait beaucoup de défiance déjà à la base et un certain rejet. Euh, eh bien, les médias ont rejoint le package et aujourd'hui, il y a un, un, un rejet total des institutions politiques jusqu'aux institutions médiatiques. Euh, voilà, et de ça, du coup, est né le média, QG, plein de choses comme ça, et nous aussi, finalement, sur YouTube, euh, et pas que. Alors, je parle de YouTube, mais pensons à parler de Pirtube, de Framatube. Maintenant, ça devient très important. Suite, on en parlera certainement plus tard de la censure que nous euh, subissons, euh, qui ne dit pas son nom. Hein. C'est pour des droits d'auteur, des machins, des trucs, des chouettes. Et en fait, c'est de la censure. On s'était rendu compte que nous pouvions faire l'information, que nous devions faire l'information puisque nous étions légitimes de le faire, tout comme nous pensons désormais être légitimes de faire la loi, de, la penser, de penser la loi, de penser la République, et puis de bah, la démocratie, si ça nous chante, pourquoi pas. Euh, pour ce qui est de la suite et de la fin, euh, qui dit du coup... Euh, pouvoir Dit euh, responsabilité, et quand tu as une caméra devant toi avec un micro, et que tu vas voir des gens et que tu fais de l'analyse, que ce soit au de l'ensemble à droite, avec en tant que professionnel de, de journalisme, et euh, ou alors moi qui ne suis pas journaliste mais qui suis un, un artiste engagé et, politice, et politique finalement, on a un certain, une certaine responsabilité en, euh, envers euh, notre audience parce qu'on influence euh, les, les gens, et donc du coup euh, est née de tout ça une responsabilité qu'il faut analyser. C'est un des problèmes parce que bon, bah, quand tu te retrouves face à des milliers des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent, et encore plus sur YouTube, parce qu'il y a le côté euh, copain, copine, il n'y a plus le filtre, on a l'impression qu'on peut faire confiance encore plus facilement qu'un journaliste à la télévision. Donc il y, y a un risque que je pense être de corruption aussi, euh, surtout sur YouTube, où euh, tout ça prend sa place, et même QG prend sa place dans un système capitaliste un modèle économique capitaliste où il faut trouver des financements et donc où on, a, où on est tenté, euh, pour le coup je parle plus pour moi sur YouTube, à faire des partenariats, à, faire de, à trouver de l'argent pour vivre pour, et puis pour du coup pour continuer notre travail. Euh, et là du coup je pourrais citer un hein, brut combiné par exemple où, vous, où le mélange des genres est total, où l'information se mêle à la, à la publicité qui se fait passer pour l'information. Il y a un problème pour moi à ce niveau-là et donc... À la fin, ça pourrait de nouveau recréer le souci qu'on a de confiance et de légitimité d'un média qui est censé être un contre-pouvoir dans un système où le pouvoir est de plus en plus concentré en face. Donc voilà, il me semble pour terminer primordial qu'on puisse, qu'on doit mener le combat politique sur le fond encore ensemble, de manière collective, et qu'on essaie de s'organiser. En créant, par exemple, un, un syndicat des, euh, des créateurs créatrices de médias, enfin quelque chose. J'ai pas la réponse. D'ailleurs, c'est pas l'objectif maintenant. C'est dans les ateliers qu'on va devoir faire ça. Mais voilà, on va devoir, je pense, aller vers euh, des médias qui puissent être libres, mais surtout qui puissent le rester et au service de la population, donc de la conscientisation politique populaire, pour que ben, les gens, nous tous ensemble, on soit à même de décrypter ce qu'on nous balance, quoi. Voilà. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, euh, moi je suis Aude Lancelin, je suis euh, fondatrice du média en ligne QG. Euh, D'ailleurs, je remercie aujourd'hui les équipes qui, qui nous permettent d'être euh, en ce moment même en live sur YouTube et sur Facebook, sur la page Facebook de QG. Et je remercie aussi Igor. Je ne sais pas où il est, euh, avec son pull jaune. Euh, voilà, qui a fait un travail exceptionnel pour monter ce, ce, ce grand barnum, euh, à la fois harassant et passionnant, qui est cette journée de, de colloque à Sandy. Yves Citon nous avait demandé de, une observation. Euh, aujourd'hui permettant de, de réfléchir au lien entre l'émergence de ces nouveaux médias euh, citoyens et les médias mainstream. Alors, j ai, j ai, euh, je suis tombée sur un article de, de Paris Match euh, hier euh, en ligne qui, euh, je pense, illustre parfaitement euh, le problème que nous posons aujourd'hui. Je m'explique avant de, de vous lire quelques extraits de cet article savoureux inspiré par l'AFP. On a assisté effectivement depuis le, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes à une efflorescence sans aucun équivalent de médias indépendants, de nouveaux médias de tous les côtés. On n'avait on avait jamais vu ça, euh, même depuis l'émergence de médias en ligne comme Mediapart en 2008. On n'avait pas assisté à une telle vague de création. Et ce que ce qui m'a énormément frappé, c'est le vent de panique que ça a suscité dans ma corporation, dans les médias mainstream, qui se sont mis immédiatement à patrouiller pour savoir, pour déterminer qui avait le droit ou pas de rendre compte de ce qui se passait sur le terrain. Voilà. Donc, je pense que ce sera d'ailleurs l'enjeu professionnel des années à venir pour pour nous, parce que là, on a un ancien monde, le monde des médias mainstream, qui est en très mauvais état, qui est en pleine crise, mais qui a encore le pognon, donc qui est encore puissant, et un nouveau monde, plein de vitalité, plein d'intelligence, plein d'énergie, mais qui a des moyens, euh, bon, les moyens du bord, on va dire. On y reviendra un peu plus tard, j'espère. Euh, et donc je reviens à, à mon article de Paris Match, qui illustre parfaitement ce procès en délégitimation. Qui est intentait à la fois par le pouvoir, par les médias mainstream, et par et par nous autres journalistes, par, par un certain nombre de personnes de notre corporation, à l'égard des nouveaux des nouveaux médias, des nouveaux journalistes en train d'émerger. Et je vais prendre donc euh, l'exemple du reporter Taabouaf. Donc Ta, qui est un, on le sait, un très jeune euh, euh, journaliste de 23 ans, hein, qui, qui pourtant euh, a été embauché dans un média, là-bas si j'y suis, hein, fondé par Daniel Mermet, euh, incontestablement un journaliste est plus de 40 ans. Eh bien, le reporter Tabouaf, je cite l'article, s'est vu refuser la restitution de son téléphone dans l'enquête sur la sortie perturbée du, du théâtre du président Macron en janvier dernier, on s'en souvient. Des investigations, je cite, devant déterminer s'il peut bénéficier comme journaliste du secret des sources a appris jeudi l'AFP de sources concordantes. Le statut de journaliste de Taabouaf, militant antiraciste et anti-macron, fait débat jusqu'au sein de la corporation, dit l'AFP. La magistrate fait valoir que des investigations, on va bientôt convoquer la police scientifique pour savoir qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Hein. Attention. Hein. Des investigations sont actuellement en cours, notamment au fin de confirmer ou d'infirmer sa qualité de journaliste, selon, selon des sources consultées par l'AFP une fois encore. Joint par l'AFP, le jeune homme a confirmé, alors là attention c'est du lourd, hein, euh, a confirmé que la police judiciaire a convoqué des collègues à lui de la rédaction de là si j'y suis pour mener cette enquête. Voilà. Donc euh, là, on a, je trouve, un, un parfait cas d'école euh, de, de ce procès en délégitimation, parce que bon, tu passe à, à peu près euh, l'intégralité de ses matinées euh, euh, levées à 5h du matin sur des piquets de grève euh, ou euh, à des samedis gilets jaunes. Donc euh, sa qualité de journaliste me semble assez indiscutable, pour ne citer que lui, hein, on pourrait en citer dix euh, autres. Et on voit comment toute, un, toute une corporation, tout un ancien monde est en train de se débattre face, face à cette problématique. Et ce qui est assez triste, je trouve, pour, pour, pour nous autres journalistes et pour les, pour les journalistes mainstream, c'est que tout ça n'arrive pas non plus dans le débat public par hasard, puisque tout ça est à l'unisson des propos tenus par le président de la République lui-même lors de ses voeux à la presse le 15 janvier dernier. Puisque Emmanuel Macron, qui avait félicité les députés d'En Marche d'être des amateurs, on s'en souvient tous, soyez fiers d'être des amateurs, eh bien Emmanuel Macron a axé entièrement ses voeux à la presse du 15 janvier dernier sur, justement, le statut de professionnel de l'information. L'idée phare de son discours, accueilli très fraîchement d'ailleurs, étant L'information est une affaire de professionnel. Voilà. Donc, le, le défi euh, des années à venir pour tous, les, pour tous les nouveaux venus, et il y en a pas mal autour de, de moi aujourd'hui, euh, et c'est ce aussi un défi pour le, le média que j'ai fondé l'année dernière, bien sûr, hein, euh, ce sera effectivement cette conquête de la légitimité. Je terminerai sur... Euh, Citron nous avait demandé une mesure ou un projet permettant un peu de voilà de d'améliorer la, la, la situation. Je ne vous dirai pas que tous les médias indépendants doivent s'unir parce que euh, je n'y crois pas davantage qu'à l'union de la gauche, <laughs> c'est-à-dire absolument pas, parce que c'est un milieu extrêmement concurrentiel. Et comme dit le vieux euh, proverbe, moins il y a euh, d'avoine plus les chevaux se battent donc comme c'est un milieu très, très dur très concurrentiel il y a assez peu d'alliances néanmoins je pense que dans une réflexion justement sur le, que tu commençais à esquisser sur le financement des médias quand on sait que face on a des sommes d'argent énorme, qui fait que quand le point, par exemple, je prends cet exemple il y a quelques semaines, a du, a du mal à boucler ses fins de mois, François Pinault remet 5 millions d'un coup euh, voilà, pour, pour, pour les soutenir, euh, il va falloir tout de même songer à hein, une mutualisation possible des moyens, à euh, la constitution euh, d'un arc euh, solidaire parce que euh, c'est un fait que face à une telle puissance financière, et tant qu'ils sont encore euh, aussi puissants, nous ne pourrons rien faire. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Donc, euh, je me présente Didier Maisto, président de Sud Radio. Alors moi, je suis un peu à, à cheval entre les deux mondes, issu d'un média mainstream que j'ai tout de suite rendu euh, non, non, mainstream. Je suis allé sur le terrain euh, assez vite avec les gilets jaunes en tant que personne physique euh, indépendante, avec mon téléphone portable, parce que ce que je voyais dans les, les chaînes d'infos euh, et ce que j'entendais à la radio euh, me convenait pas, parce qu'on recevait euh, nous-mêmes des gilets jaunes à la radio. Je trouvais que ce qu'ils disaient était juste venu de loin, était une expression tout à fait profonde du malaise qu'on pouvait vivre dans la société française à tous les niveaux. Donc un jour, c'était l'acte 10, j'ai décidé d'aller voir, j'ai pris mon téléphone portable, je me suis dit je vais, je vais y aller une fois, j'avais déjà été sur les ronds-points, mais je suis allé à un acte, et puis j'ai continué tous les samedis pris par, par le jeu et par le feu, je dirais, et ce feu sacré qui est pour moi l'essentiel du métier de journaliste, et c'est comme ça que je définis le journaliste, ça n'a rien à voir avec une carte de presse, c'est est-ce qu'on a le feu sacré ou pas, est-ce qu'on reste le cul sur sa chaise en commentant l'actualité ou est-ce qu'on prend le train de l'histoire et, et on y participe. Donc j'ai décidé de faire ça, bah c'est vrai qu'il y a quand même un, un cap, que dis-je un cap, une péninsule entre l'information, l'intoxication littérale, des médias mainstream, on arrive le matin, ils planquent la caméra, ils vont dans les immeubles, puis ils disent il n'y a personne, ils arrivent à 9h, hein, puis ils vont faire leur course, ils reviennent à, à 17h et ils disent, les gilets jaunes s'en prennent à tout le monde et notamment à la police. Et puis euh, ils relatent dans la minute le chiffre du ministère de l'Intérieur qui divise par 4 ou 5 le nombre de manifestants. Bon. <laughs> Une fois qu'on a dit ça, je reviens juste, sur l'image des petites lumières et du, du large faisceau, en fait, la, la, la grande lumière, elle éblouit, et les petites lumières, elles éclairent. Comment on fait aujourd'hui Les gens n'ont plus besoin de clinquants, n'ont plus besoin de halo qui éblouit, et c'est ce qui s'est exprimé dans, dans la société française à travers tous les lives et toutes les, tout ce qu'on a pu voir, toutes les vidéos. Comment on fait pour que ces petites lumières éclairent tous ces chemins Donc, moi, j'ai un peu réfléchi au sujet, puisqu'il faut être pragmatique. Et moi, bon, la proposition que, que je fais, j'ai réfléchi à faire une agence, en fait. Euh, ça sera, je ne sais pas si on y arrivera, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire, qui, qui fédère, que chacun garde son statut d'indépendant, etc. Il faut réfléchir à la forme juridique, une scope, ou je ne sais pas quoi. Mais qu'on puisse défendre d'abord les droits de tous les indépendants. Les droits, ça commence par se faire payer ces images. C'est se faire payer ces infos parce que tout le monde se fait piller. Et finalement, même dans les chaînes mainstream ou dans la presse écrite, quand vous avez des images, ce sont des images que chacun d'entre nous a filmées et on se fait piller. On est jamais, les gens ne sont jamais cités. Et tout ce travail, c'est du vol, en fait. C'est du vol et c'est du viol. Donc, il faut taguer les images, il faut se réunir, il faut défendre les droits et il faut être capable de présenter une plateforme commune, mais pas simplement... Euh, médiatique, mais qui soit aussi juridique, qui soit aussi financière et qui soit une espèce de, de fédération d'indépendants. Et ça, c'est pas très compliqué à faire, pas très compliqué à faire d'un point de vue juridique, etc. C'est plus compliqué de le faire savoir et de gagner la confiance des uns et des autres pour pas que les gens pensent qu'ils vont être dans une, une espèce de grand malstrom, une multinationale qui va. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc, l'idée, c'est. Solitaire, soyez solidaire. Donc moi, je me propose de, de, de faire ce travail, pas pour mon bénéfice, hein, mais d'en être le vecteur et d'essayer de travailler avec tout le monde pour organiser ces indépendants. Parce que, en réalité, quand vous allez dans, dans la population française et que vous comptez les gens, Monsieur Macron, il a fait 18% des inscrits au premier tour. Sur 100 personnes, il y en a 82 qui n'ont pas voté pour lui. Ces Français-là, ils sont majoritaires. Et les gens qui, dans la rue, relatent, même si, bien sûr, il y a eu des violences, des mutilations, euh, des énucléations, des saloperies, des violences policières qu'on a tous vécues, euh, et parfois dans notre chair, évidemment, euh, ça fait peur. Mais on est majoritaire dans le pays. Et je dis on parce que je m'inclus. Donc il faut arriver à fédérer tout ce monde-là et, et être assez professionnel. Et j'aime bien l'idée, moi, d'unir de, des chercheurs. Des designers. Il euh, faut que ce soit vraiment transversal. Dernier point, La République en marche, les Playmobil Système, etc., n'existent finalement que sur Twitter. Et si, moi, je me suis intéressé au compte du président de la République. Il y a, je ne sais plus, 4 millions d'abonnés, parce que 5 millions, et 60%, c'est des, des, des faux abonnés. Et quand vous regardez, allez voir sous un tweet, vous allez voir, c'est des comptes creux, il n'y a pas d'abonnés. C'est des Espagnols, c'est des Mexicains, c'est des vous avez de, de tous les pays, et ils disent Ah super Macron, ça n'existe pas, c'est des robots. Donc, si vous voulez, ils arrivent à avoir une présence très forte sur les réseaux sociaux à partir de rien. Donc si tous ces gens qui sont sur le terrain avec des images très chargées symboliquement, qui relatent une information réelle, si on arrive à prendre le pouvoir sur les réseaux et c'est en train d'être fait, ben, je peux vous dire qu'on ne craindra plus personne. Voilà, c'est mon message. Merci beaucoup. Alors bonjour, Donc, moi je m'appelle Kevin. Je fais partie d'une un, petite équipe à Lille, un petit média lillois qui s'appelle Révol. Euh, pour le petit historique très très rapide, moi j'ai commencé dans la rue au mouvement des Gilets jaunes au début en tant que simple militant, j'avais pas du tout... Euh, L'idée que je me retrouvais là euh, aujourd'hui ici, comme beaucoup, je pense que euh, j'ai regardé les infos en rentrant chez moi un soir, après la journée que j'avais vécue, il y avait des, des grosses différences. Il y avait des grosses différences, excusez-moi. Il y avait des grosses différences. Euh, donc bah, j'ai choisi, comme euh, beaucoup d'entre nous, de prendre un téléphone simplement et de me dire bon, ben bah, voilà, au moins, ça, c'est moi qui le prends et euh, je sais que ça ressortira tel quel. Je n'ai pas du tout euh, appréhendé la suite, donc beaucoup, beaucoup de, de besoins qui s'est créé sur l'île. J'étais au début très seul, très, très seul, et très, très vite. Euh, la ville a été couverte, et pour moi, ben, le, le, on va dire que le, le pari était gagné. Voilà, ça c'est pour, euh, pour le, le petit historique. Après, ben, je vous rejoins sur beaucoup, beaucoup de points, je n'ai plus grand-chose à dire, c'est-à-dire que, euh, par exemple, toi, je te rejoins énormément sur le fait qu'aujourd'hui, mais vraiment nécessaire de venir toucher une certaine partie de la population, les gens qui disent euh, voilà moi la politique je m'en fous, euh, toutes ces personnes qui vont se retrouver devant par exemple Thinker View ou des émissions très très intéressantes où des gens ont pris énormément de temps pour essayer de disséquer l'information au mieux. Malheureusement aujourd'hui tout le monde ne prend pas ce temps-là. On veut des choses rapides, on veut des choses vite, on veut être diverti. Et je pense qu'aujourd'hui en effet il y a quelque chose à faire. Aller chercher ces personnes par le biais du divertissement, par le biais de la culture, peu importe, euh, de la dynamique, peut-être des, des formats, peu importe. Mais en effet, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher ces gens-là. Ces gens Sur notre média, à nous, on, moi, je ressens un problème. C'est-à-dire que les gens qu'on touche sont des gens qui sont déjà d'accord avec ce qu'on pense. Notre but, c'est justement d'aller chercher ces autres personnes, de réfléchir à des moyens pour que, par exemple, quand je vais à un cas très concret, je vais aller voir ma famille. Euh, je vais vite me rendre compte qu'elle n'a pas les connaissances, qu'elle n'a pas pris spécialement les, le temps d'aller chercher les connaissances. Par contre, elle a bien regardé la télé, parce que son discours, je le connais, tout le monde le connaît. Et voilà, quand on voit que ça touche nos proches, nos amis, notre famille, etc., on a envie de, que ces personnes-là changent d'avis. On n'a pas envie de les forcer, on n'a pas envie de leur dire, regarde, la dénonciation, on a bien vu que ça crée une forme de, de clivage. Il y a des gens qui sont totalement réfractaires. Est-ce qu'il ne faut pas aller justement prendre en compte... Euh, les médias actuels, quelles sont leurs techniques et peut-être les utiliser à notre profit tout en incluant de l'information. En tout cas, moi, c'est à mon niveau, le, euh, disons, ce que j'ai envie de faire et c'est dans, dans cette direction que, que j'ai envie de me porter. Je pense qu'il y a un mot qui revient beaucoup, c'est la confiance. La confiance qu'ont les gens aux médias. Alors, c'est valable dans les deux sens, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens n'ont plus confiance aux, aux médias mainstream, mais inversement, Beaucoup de gens n'ont pas confiance aux, aux médias indépendants de par toute cette diabolisation qu'il y a pu y avoir et d'autres facteurs qu'on qu connaît malheureusement. Et je pense que, que, que oui, il euh, y a peut-être aussi un, une déontologie dont il faut faire preuve, qu'on soit amateur ou pas. Euh, alors, je ne parle pas d'écrire forcément une charte pour les, les journalistes indépendants ou ce genre de choses, mais peut-être au moins de garder en tête qu'un qu simple discours, regardez, il se passe ça. Oui, ça va toucher une personne, mais l'autre personne, si elle est un peu réfractaire, on ne l'aura pas touchée. Après, oui, il y a le problème des, des financements. Alors ça, c'est un problème que, que tout le monde a, hein, dans une certaine mesure. Hein, les financements, le financement participatif, tous les financements auxquels on a accès aujourd'hui en tant que médias indépendants posent des problèmes généralement éthiques. Que ce soit la publicité, que ce soit euh, les cagnottes, que ce soit, peu importe nous. Par exemple là, on a décidé de tenter de faire des partenariats avec des artistes locaux pour proposer des produits dérivés en reversant une partie à des associations et à l'artiste pour également nous promouvoir notre travail. On va essayer de trouver des solutions. Mais voilà, aujourd'hui on a bien conscience que, euh, comme tu le disais, voilà, on est beaucoup actuellement qu'il n'y a pas forcément de place pour tout le monde, mais qu'en même temps je pense que la dire, le but, on n'a peut-être pas, peut pas tous le même but, mais on a à peu près tous la même direction. Et, et je pense qu'il y a un, voilà, un travail à, à faire à, à ces niveaux-là. Voilà. Super, Merci On va passer Nico Smirnaïos qui va faire une sorte de, de réponse générale à la fin, qui va faire une synthèse merveilleuse et exhaustive. Euh, bonjour, merci euh, d'être là et de nous accueillir. Donc, moi je suis Stéphane Eliès. Je suis, j'assume la co-direction éditoriale de Mediapart et euh, bah, je vais essayer d'être efficace et de répondre aux deux questions telles que euh, nous les avez envoyées à l'avance Yves Citon. Euh, ce qui m'a le plus frappé euh, dans le mode d'existence et de des Gilets jaunes euh, d'un point de vue médiatique et de notre point de vue à nous, journalistes euh, à Mediapart, qui sommes nous aussi un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'on n'est on est pas mainstream, mais bon, on l'est un petit peu quand même hein, depuis, euh, depuis 12 ans. Maintenant, c'est un petit peu euh, euh, un, ancré dans un paysage mainstream aussi, on ne va pas se mentir. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué d'un point de vue journalistique, c'est déjà avoir émergé un mouvement social qui parle enfin de démocratie. Et, et on n'est plus dans un mouvement. Euh, de type ouvrier classique qui est sur la question sociale en premier lieu, euh, mais qui a porté les questions démocratiques. Et ça, c'était assez innovant. Euh, également, une forte représentation euh, des femmes. C'était visible, euh, et ce n'était pas, pas forcément le cas auparavant. D'un point de vue vraiment purement plus journalistique. Évidemment, je ne redis pas sur tout ce qui a été dit et très bien dit sur la, la critique média qui a été portée euh, par le mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi euh, la, la logique de soutien euh, à des médias. Euh, C'était pas que du négatif. Enfin, moi, par exemple, depuis 12 ans de Mediapart, on a eu une fois... Euh, une expression de soutien de lecteurs et d'un mouvement social, ça a été au moment de notre perquisition, tu en parlais tout à l'heure, et effectivement c'est la première fois qu'on a eu des gens qui sont venus au pied de notre journal pour nous soutenir, pour dire bravo Médiapart, ça nous était jamais arrivé en 12 ans, et pourtant on avait aussi plein de raisons de nous soutenir dans le passé et plein d'attaques de, 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 des pouvoirs précédents de même type, mais c'est avec les Gilets jaunes qu'on a eu droit à un soutien. À un soutien. Et, donc ce n'est pas que le soutien de Mediapart, ça a été aussi le soutien, on euh, parlait tout à l'heure, euh, à afs euh, ou à Gaspar Glantz euh, ou à, à plein d'autres euh, vidéastes qui sont en première ligne et euh, qui euh, jouent un peu leur peau, parce qu'on n'en est quand même pas très loin de ça, euh, dans les manifs. Euh, ça a quand même reconfiguré en partie aussi le champ mainstream. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des, comité, des communiqués de soutien à Taabouafs, à, Taabou à Gaspar Glantz pour... Dire euh, qu'en notre nom, il n'était évidemment journaliste. C'était des, des, des communiqués de soutien qui ont été euh, signés, que nous, on apportait avec notre société des journalistes, euh, auprès de plein d'autres sociétés de journalistes de médias mainstream. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi bien comprendre qu'il y a des logiques internes dans ces médias-là, euh, où très souvent, ce sont les têtes, euh, les, euh, les rédactions en chef. Euh, qui sont euh, dans la dénonciation bien légitime que, qui est portée ici, beaucoup moins les bases qui, eux, euh, bah, se retrouvent souvent porte-à-faux. Parce qu'elles, elles sont sur le terrain, elles, elles du coup, elles, elles, se, elles se prennent, entre guillemets, des critiques qui sont adressées à leur hiérarchie et non pas forcément à eux, journalistes de terrain, qui, bon, euh, tant bien que mal, euh, font souvent un travail, en tout cas, de restitution euh, de l'information. Sur euh, le, les suggestions, je vais assez vite. Évidemment, ça a été dit, donc je ne redis, je redis pas à s'organiser. Je pense que dans la foulée de ce que je viens de dire, il y, a, il y aurait intérêt à, par, à, par, à passer d'une logique légitime euh, de méfiance, de défiance euh, vers une logique plus, plus dynamique de collaboration, de coopération. Alors pas évidemment euh, avec tous les médias, mais euh, mais à mon avis il y a des vraies relations euh, de travail. Nous on les a souvent éprouvées sur la question notamment des violences policières où on est en interaction avec effectivement euh, tel ou tel vidéaste à qui on va racheter les images pour faire un sujet sur les violences policières. Mais il y a une logique mais qui en fait est dépendante aussi des acteurs eux-mêmes. Est-ce qu'ils se vivent comme lanceurs d'alerte, comme sources, comme journalistes eux-mêmes euh, S'ils se vivent comme journalistes, il y a aussi un nouveau champ euh, dans l'indépendance des médias qui émerge. Mediapart en était le porte-étendard, on va dire, a, de, depuis sa création. Mais aujourd'hui, ça se décline un peu partout, en, en région. De plus en plus de sites indépendants, partageant des modèles de stricte indépendance, euh, se galèrent aussi, mais se lancent et commencent à, à trouver un public. Je pense qu'il y a moyen, de la même façon que nous, à Mediapart, on a une plateforme de blog. D'ailleurs, au passage, c'est révélateur. Hein. Le Monde, 20 minutes, ferme leur plateforme de blog. Euh, on est quasiment le dernier média quasi mainstream à euh, toujours assurer une, une plateforme de blog pour permettre le relais de l'expression citoyenne sans filtre et, et sans modération, en tout cas euh, a priori. Eh bien, là, c'est pareil aussi. Dans, dans Mars Actu à Marseille euh, développe une plateforme de blog. Euh, on encourage, nous, certains de nos partenaires avec qui on essaie aussi de. De grandir dans notre champ à nous de médias aspirant à s'imposer dans le paysage médiatique, on essaie de les propulser, de les pousser et de leur dire développer vos plateformes de blog et permettez le relais de l'expression citoyenne. Je pense aussi, et j'en termine là, par rapport à tous les journalistes qui sont nés avec le mouvement des Gilets jaunes autour, je pense aussi la critique, elle a été ultra bienvenue de, de tous ces bavardages d'éditorialistes. Je pense qu'elle va porter d'autant plus que contre ces bavardages. À, il faut peut-être moins bavarder et être davantage encore avec toutes les contraintes, y compris économiques. Hein, je ne suis pas dans un monde idéal, euh, mais se porter encore plus dans euh, la production de faits. Euh, ce que fait le nombre jaune euh, sur le décompte, le décompte alternatif, c'est super intéressant. Les, les positions de fact-checking aussi, euh, de, sur son propre mouvement, enfin, à garder une distance critique, euh, ré, épouser vraiment. Euh, les principes, on disait, est-ce qu'il faut une charte euh, pour euh, les journalistes bah, Ah, la charte, elle existe, la charte de Dominique, il faut juste l'appliquer, euh, que tout le monde continue à se l'appliquer, parce que justement, les médias euh, mainstream, vraiment mainstream, ils se l'appliquent de moins en moins. Donc, il faut, euh, on a les fondamentaux, ils existent, il faut juste les déployer. Effectivement, ça ne résout pas les questions économiques, euh, mais là, moi, j'ai pas encore de solution non plus, mais je sens que le débat est fécond. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Jude, je suis fondateur du, du média La Mule du Pape. Qui est, qui est un média en ligne et qui est un média local sur Montpellier. Donc je crois qu'effectivement il y avait une, une nécessité de, de combler un vide. Euh, dans ce, ce contre-pouvoir démocratique, et, et ça s'est fait de manière tout à fait spontanée dans le mouvement des Gilets jaunes, donc à la fois par des, des médias jaunes, donc des, des live streamers, euh, des automédias. Euh, et en fait, ça, c'est une. Pour le mouvement, ça a été une, une garantie de fiabilité de l'information, parfois avec certains travers, parce que bah, c'est pas les mêmes méthodologiques dans, dans le journalisme habituel, et ça peut aussi conduire à, à des rumeurs qui ont pu être relayées, à, à un certain danger pour l'information. Mais ça reste des interlocuteurs fiables, en tout cas, dans, dans lesquels le mouvement peut avoir confiance et, et envers lesquels il peut, dans lesquels il peut s'identifier. Et donc derrière, il y a les, les médias qui se sont constitués comme indépendants sur ce mouvement des Gilets jaunes, donc comme nous à la, à la mule du pape, mais qui ont fait le travail derrière d'aller de, se tourner vers les autres mouvements sociaux. Euh, ou écologique ou, euh, ou politique, dans, dans l'idée de, de créer du lien en fait, entre ces différents mouvements-là et de, de participer en fait à, à cette forme de, de, de convergence que tout le monde attendait ou a, a attendu à travers le, le mouvement du, du gilet, des gilets jaunes et le, le renouveau du, du mouvement social. Et donc face à ce pouvoir qu'on a pris petit à petit, en tout cas localement, on peut le sentir sur Montpellier, on voit une adaptation des mainstreams aussi par rapport à nos pratiques à nous. Donc le fait de faire du reportage en immersion notamment, de montrer les violences policières, de se mettre au plus près du terrain, on peut voir que par exemple le Midi Libre... Euh, Ou euh, 20 minutes sur Montpellier, ont eu ce euh, réflexe de, euh, de nous copier, entre guillemets, donc d'aller prendre des, des pigistes, de les envoyer en manif sur le terrain. Mais comme le, le traitement de l'information dans son ensemble n'est euh, pas relié au terrain, que c'est une information derrière qui va finir direct en rédaction, qui va choisir de découper 30 secondes, de montrer ci, de montrer ça, et que dans les rédactions, en fait, on n'est pas euh, en lien humain avec le mouvement social, où on se rend compte que. Bah, il continue de, de, de rester à la masse et que, euh, que le mouvement social ne s'identifie absolument pas euh, en eux et, et continue de prendre son, son information chez nous. Donc, je pense qu'on a des avantages et euh, des, des inconvénients. Effectivement, il y a, on a parlé de ces faisceaux. Euh, le, le faisceau du, du mainstream est vachement plus efficient et, que, que le nôtre. Euh, pour autant, on, on a une légitimité déjà par rapport au fait qu'on est connecté à tout le monde et que les gens nous connaissent personnellement et donc ça, ça crée un lien de confiance et ce lien de confiance, je crois qu'on effectivement, pour arriver aux solutions on a tous chacun mobilisé des, des lectorats ou des spectateurs différents à des échelles locales ou parfois à des échelles nationales mais c'est globalement encore loin de, de ce qu'il faut pour, pour réussir à, à contrebalancer les, les logiques néolibérales dans notre société et donc il y a cette histoire de, de fédération dont on a parlé, de bah, aussi la question financière donc avec un fonds éventuellement qui, qui centraliserait un peu de l'argent, qui le redistribuerait un peu sur l'idée de l'aide à la des, des aides à la presse, mais donc indépendante. Puis aussi effectivement bah, lutter contre ce, cette réaction en fait des, des mainstream du, du, du système entre guillemets. J'aime pas trop utiliser ce mot, mais, mais Macron effectivement qui parle de qui sont les professionnels de l'information, ça, ça s'oppose au principe de l'information même en fait. Euh, l'information n'a pas à être professionnelle, elle, elle doit être une pratique citoyenne et engagée. Et je crois qu'il faut qu'on qu se batte pour faire prendre conscience de ça dans la population aussi. Chez les Gilets jaunes, c'est très compris, euh, à travers l'usage des nouvelles technologies. Mais je crois que dans le reste de la population, il y a, il y a encore un gros boulot à faire euh, là-dessus. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, euh, je vais mettre le, le téléphone, j'ai très peur aussi de déborder les cinq minutes. Donc moi je m'appelle Hervé Kempf. Euh, rapide présentation de reporter parce que c'est important de se situer. Nous on est un, un média sur Internet qui est né de, de l'accompagnement d'un livre qui s'appelait Comment les riches détruisent la planète et qui le cite à une ligne rédactionnelle claire. C'est que nous considérons que la question écologique est la question politique essentielle du début du 21e siècle. Et à partir de là, on va regarder et raconter le monde avec les techniques journalistiques. Autrement, on est euh, indépendant, sans actionnaire, sans publicité, en accès libre, parce qu'on considère que l'information est un bien commun. Et maintenant, on, ne, on parvient à vivre à. Pff, 95% des dons d'électrices et d'électeurs, et qui nous permet notamment de payer 8 journalistes en CDI et un certain nombre de pigistes et de photographes. Un point aussi sur le rôle qu'on estime plus exactement comment on a raconté et accompagné les Gilets jaunes. Au début, il y a eu tout de suite de la part de la presse mainstream, appelons-la la presse de pouvoir, une vision, c'est un mouvement anti-écologique, c'est contre la taxe carbone, etc. Tout de suite, on a senti, j'allais dire presque instinctivement que ce n'était pas le cas, et on a creusé ça, et on s'est rendu compte à la fois que c'était un mouvement contre la taxe carbone, mais largement contre l'inégalité que percevait euh, tous les gens qui se rebellaient parce que mettre une taxe carbone quand dans le même temps on fait euh, l'impôt sur la fortune euh, allégé pour les riches, ça n'allait pas et que par ailleurs la déficience totale des transports de, de, en commun et la déficience d'une vision écologique de la politique des transports et de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain fait que il bah, y a beaucoup de gens partout en France et tu as rappelé quelqu'un, je ne sais plus qui, que c'était d'abord un mouvement social, Igor peut-être que euh, provincial, euh, bah, les gens on, on le sait tous, on a besoin de voitures quand on est euh, loin de, de de, de la ville. Donc on a senti ça, on l'a accompagné d'abord par des, 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 en faisant intervenir des écologistes en disant non, ce n'est pas un mouvement anti-écolo, mais au contraire, c'est une révolte écologique au sens où c'est la première fois que une question d'écologie... Des chaînes où, où le terme est un peu fort, mais enfin ouvre un espace public et une discussion et, et, et surtout une révolte extrêmement importante. Et puis après, on l'a accompagné de manière assez classique journalistiquement par des enquêtes, des reportages, des entretiens, des réflexions. Et euh, on continue. D'ailleurs, euh, hier on a publié, mais vous pouvez toujours le lire à la une, hein, un reportage euh, euh, très beau, très émouvant sur les femmes gilets jaunes et des femmes gilets jaunes à Saint-Nazaire qui ont créé les Amas jaunes euh, et qui racontent aussi le, le rapport euh, aux humains, au patriarcat, aux aux hommes pardon pas aux humains et aux violences qu'éventuellement elles ont subies donc voilà pour se situer un petit peu pour répondre rapidement aux deux questions de, de, de Yves, euh, l'observation, euh, c'est que euh, avec les médias autonomes, les médias indépendants, les journalistes indépendants, il ne faut pas les oublier. On a cité Gaspard Glance, on a cité Tabouaf, on, on pourrait citer Noman, on pourrait citer Alexis Kraland, et puis tous ceux de, de reporters en colère. Donc voilà, il y a eu vraiment un autre récit qui s'est mis en place euh, et qui, à mon avis, a permis justement que les médias de pouvoir n'imposent pas leur, leur vision du mouvement des Gilets jaunes. Euh, et ça, je dirais... Euh ben moi, je ne fais plus trop, si je fais une distinction, j'allais dire technique, et euh, Jude l'a un petit peu rappelé, si on est journaliste, on a des savoir-faire, on a des techniques de vérification d'informations, de mise en contradiction, de vérification des faits, qu'effectivement, quelqu'un qui débarque un petit peu et, et vient avec son ressenti, son observation et son témoignage, n'aura pas tout de suite. Donc moi, je le vois plutôt comme une collaboration, comme une coopération. Et dans d'autres cas, notamment quand on a suivi les bagarres à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, on s'appuyait beaucoup sur les automédias, c'est-à-dire les médias, les sites, et autres instruments qui étaient mis en place par les mouvements de lutte. Et puis, euh, parfois, on jugeait que c'était, on pensait que c'était une information tout à fait exacte, on, 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 on la relayait, on la légitimait, et parfois, ça nous donnait des pistes, et on allait vérifier, on allait discuter avec eux. Et donc, je crois que tout ce qui s'est passé dans les mou le mouvement des Gilets jaunes et les médias qui sont ici et d'autres jouent ce, ce même rôle. Et je dirais que les médias indépendants, et ben, notre tâche, c'est. Euh, c'est de travailler avec, avec ces médias autonomes, en sachant que, le, le, et ça c'est un point absolument important, puisque la question du financement a été abordée. Bah, un journaliste et les médias, euh, euh, ce qu'on essaie de faire, Mediapart, QG, Le Média, Politique, je ne sais pas qui d'autre, Reporters, Arrêt sur Image, etc., basta, c'est de payer des journalistes, alors que des, 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 des automédias, bah, parfois il y a la difficulté du financement, et donc comment on fait, puisque produire de l'information, c'est un coût, c'est du travail, tout simplement. Ça, c'est première remarque, mais se, se mettre dans une logique de, de, de partenariat. En fait, l'idée d'archipel. Hein, je crois qu'il faut assumer le conflit avec la presse de pouvoir. On est, euh, euh, je ne sais plus, nous, si on est mainstream ou pas, Mediapart, tu disais, Stéphane, vous savez plus non plus. Moi, je pense qu'on fait de l'information. On, Sud Radio aussi, bon bah on, est pas, on est simplement des instruments qui appliquons des logiques journalistiques et qui sommes dans une bagarre de légitimation par rapport la, aux médias de pouvoir. Et dans ce cas-là, on ne va pas être en même temps ni TF1, ni je ne sais pas si je, je souhaite, mais je ne pense pas que Mediapart deviendra TF1 ou, euh, ou je ne sais qui. Mais en, en revanche, euh, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut faire. Moi, j'aime bien la notion d'archipel, la notion de, de réseau, de pôle euh, qui. Euh, je mène chacun un peu leur vie autonome parce que, comme Aude l'a rappelé, il peut y avoir beaucoup de phénomènes d'ego, de concurrence, etc. Mais en même temps, on sait que sur des points importants, on a des approches communes, on a une vision commune, on est surtout dans une relation conflictuelle d'assumer la liberté par rapport à l'oligarchie et au capitalisme. Et donc, on mène notre travail et puis on fait des, 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 des trucs communs. Et je finis là-dessus. Je pense que les partenariats, nous, on en fait euh, reporter, on en fait notamment avec un groupe, le GIEC, euh, autour du climat, avec euh, euh, Mediapart, Politis, Projet, Basta, peut-être d'autres. On fait souvent des tribunes communes. Et puis on sait tous que s'il y a quelque chose d'important qui se passe, euh, bah, on va être ensemble et on va se soutenir les uns les autres. Et, 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 et voilà, donc cette, cette notion d'archipel et qui peut aussi s'articuler avec des automédias ou avec des médias totalement indépendants, même s'ils ne sont pas dans une logique professionnelle. Super, merci beaucoup. Merci. Je suis le Pixel Mort. Euh, moi, je suis euh, youtubeur depuis euh, fin. 2018. Je viens au départ de. Euh, je suis monteur vidéo. Je viens de la télévision et euh, je suis monteur du zapping de, de formation, on va dire. Donc, euh, je, je bossais pour Zap Télé, si certains connaissent, qui est un zapping euh, télévisuel euh, mainstream, on va dire. Et euh, quand j'ai quitté la structure, l'idée c'était euh, de euh, de mettre en confrontation les extraits qu'on avait dans la télévision. Euh, des médias de, de masse avec ce qu'on pouvait trouver sur Internet et déjà avec les médias qui étaient déjà présents euh, des certaines chaînes YouTube euh, qui, qui pouvaient euh, donner un, un éclairage un peu plus euh, peut-être pas objectif mais en tout cas donner un contre-champ à ce que la télévision pouvait offrir et bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses et donc je vais, je vais essayer de, de faire vite dans ce que j'ai pu vivre en fait sur, sur YouTube il y a vraiment eu l'explosion des, des gilets jaunes c'est que euh, ma chaîne Grandissait petit à petit, et puis quand j'ai commencé à traiter le sujet des gilets jaunes, là on s'est rendu compte que qu'il y avait il y a énormément de gens en fait qui cherchaient, je pense, des informations en dehors des, des médias de masse, parce que vous parliez de la perte de confiance dans ces médias de masse, elle était déjà consommée, je pense, depuis un paquet de temps. Par exemple, là c'est marrant parce qu'on a le coronavirus en ce moment, mais on pourrait se rappeler de l'épisode de Tchernobyl, qui a qui a quand même un petit peu commencé en fait à, à susciter le doute, je pense, dans, dans l'esprit des gens. Et euh, c'est pour ça que là, les, même pour le, le coronavirus, là, les, gens, les gens se posent des questions. Il y a une petite psychose autour de ça. Non, il n'y a, a pas beaucoup de masques, hein, moi, je, je trouve. <laughs> <laughs> et avec les gilets jaunes, ce qui a été frappant, c'est que parmi les gens que j'ai pu que je connais, avec qui j'ai pu discuter, énormément de gens qui croyaient encore, ou en tout cas qui avaient une certaine confiance dans les médias de masse, c'est des gens sérieux quand même, ils font le taf, ils font le boulot. Avec les violences policières et le traitement qui a été fait par par les médias de masse, énormément de gens, en fait, je pense, sont ont rompu leur, leur confiance vis-à-vis -vis de, de ces médias-là. C'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'on qu soit de plus en plus nombreux en fait, à proposer un contre-champ à cette information officielle, néolibérale on pourra dire. Maintenant, le risque en fait, avec tout ça, parce que quand on consomme uniquement des, des médias alternatifs tels que les nôtres, on peut se retrouver... Un, dans une caisse de résonance et avoir l'impression que la révolution, c'est pour demain. j'avais l'impression, euh, là, quand, euh, quand le mouvement de grève avait été lancé en décembre, que vraiment, ça avait, euh, le gouvernement allait tomber, quoi. Et que, euh, pour les Gilets jaunes, pareil, j'avais l'impression que l'Assemblée nationale allait être euh, dissoute, dans le quart d'heure. Et, euh, et donc, il y a un risque, un peu, je pense, de s'auto-fasciner, en fait, de, 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 ne, de faire circuler l'information qu'entre entre nous, et de finir un petit peu comme euh, dans cet épisode de Black Mirror, où euh, un... Un révolutionnaire, on va dire, fait une irruption sur une scène et il finit par devenir un programme de divertissement parmi tant d'autres. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, j'ai l'impression que les, les médias de masse n'ont pas réussi en fait à traiter le mouvement des Gilets jaunes parce que c'était quelque chose qui était inconnu pour eux. Ils, avaient ils ont l'habitude de traiter des, des mouvements sociaux de telle ou telle manière, enfin ils ont toujours leur petite musique qui, qui est prévue et qui est déjà calibrée. Pour les Gilets jaunes, c'était tellement sauvage en fait et tellement tellement nouveau qu'ils ont pas su comment le prendre et même ils sont euh, ils sont passés du statut de protagoniste au statut de commentateur alors que normalement les commentateurs c'est nous en fait c'est les médias alternatifs etc on est on, on prend ce que les médias de masse nous donnent et euh, et on essaye on essaye, là c'était c'était l'inverse là par exemple je trouve qu'on a on a perdu la main les médias de masse ont repris la main et on et ils nous servent en fait une narration qui est intenable en fait à, à, à commenter ou en tout cas à analyser. Là, depuis début euh, début 2020, on a eu euh, alors j'ai pas toutes les affaires en tête, mais entre uh, Sibatendi qui uh, qui vous explique que uh, la retraite, ça angoisse les gens en réalité et que bon, plus ils travaillent longtemps en fait, plus uh, les gens seront en bonne santé. Uh, après, on a eu uh, l'affaire griveau on a eu enfin Emmanuel Macron qui revient en avion en expliquant que uh, essayer la dictature parce qu'en France uh, en France, on n'est pas dans une dictature. Une dictature, c'est un, un endroit où un clan décide tout seul des lois contre le reste de la population. C'est marrant, quand même. Et on est encore... On court après cette actualité-là qui nous est balancée par, par les médias de masse. Et l'idée, je pense, en fait, on, on est accroché à leur storytelling. Et peut-être que l'idée, ce serait de construire notre propre storytelling et de... de au lieu de commenter ce que les médias de masse nous, nous apportent, de, de fournir notre propre, notre propre narration. Quoi. Merci beaucoup. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Alors je suis venu ici, puis j'avais un peu peur de, de prendre la parole devant tout le monde, et je me suis dit, non, j'avais quand même une petite histoire à raconter, et rien que pour ça, je vais tenter le truc. Donc je suis Johan, et puis on a travaillé avec d'autres sur le projet du Canard Réfractaire, qui est un média local et militant, en gros, Gilets jaunes et compagnie. Et ça a été, c'est né avant le 1er mai, parce qu'avec le collectif Climat, de Guingamp, on avait organisé un festival de l'écologie de la bonne humeur où on faisait la certaine alliance entre les écolos associatifs citoyens et les gilets jaunes, qui a plutôt bien marché. Mais enfin bref, il y avait les gilets jaunes de Saint-Brieuc qui voulaient euh, annoncer justement qu'ils allaient rejoindre à Guingamp ce festival-là. Et le gars, il n'y avait pas de médias indépendants ou quoi que ce soit, c'était juste des automédias avec le, le téléphone à la con. Là. Et donc c'était un gars qui avait juste comme message à dire bah, les gilets jaunes allaient à Guingamp à 14h euh, au jardin public. Donc il a pris son, son téléphone comme ça. Il l'a mis en contre-plongée, il y avait une lumière dégueulasse, il fumait sa clope, ça a duré pendant un quart d'heure et c'était absolument immonde. quoi. Et du coup, nous, on s'est retrouvés avec comme seul, euh, comme seul format vidéo à partager devant à tout le monde sur nos réseaux, une vidéo qui n'était pas du tout adaptée parce qu'elle n'arrivait elle pas à provoquer euh, un imaginaire ou un désir comme pouvaient le faire les, les codes normaux qu'on peut voir à la télévision, qu'on peut voir dans les séries. Et c'est là où on s'est posé la question. Mais le gars est cool, hein, mais c'est juste qu'il savait pas faire de vidéo. Et on s'est dit, on peut faire des choses avec l'envie, avec la motivation, avec la volonté, avec la colère. Mais à un moment ou à un autre, il faut poser la question de la technique et savoir comment faire pour procurer du désir et de l'imagination et créer un autre imaginaire pour essayer de provoquer quelque chose d'autre que ce qui est là. Et donc c'est comme ça qu'on avait lancé le truc. On a pris une caméra. Enfin bref, on a fait toute une aventure là-dessus. Et donc c'était juste pour poser. Ce problématique-là, c'était que la contestation du, du capitalisme en général en tant qu'acteur de destruction de notre civilisation, en grosso merdo, on l'a tous. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à transmettre à notre imaginaire, à notre... Euh, de se dire quelles sont les autres méthodes, les autres moyens, les autres désirs qu'on pourrait arriver à générer avec ça. Et pour ça, il faut de la technique. Et sur les médias locaux, le, le, le gros intérêt qu'on a... Et c'est pour ça, au canard, on ne se présente pas comme journaliste, on trouve ça un peu, un peu pompeux, enfin pas bien adapté à nous. On se présente toujours comme des militants. Parce que notre intérêt, c'est pas de faire des, des articles forcément de fond, de faire des super vidéos. L'intérêt, c'est de provoquer du réel là où on vit, avec les copains, leur donner du courage, leur donner euh, des envies, et c'est de fédérer les gens. Donc le gros enjeu des médias locaux. Même s'ils ont une, euh, comment dire, une, une audience assez faible, quoi, ça se compte à plusieurs milliers de vues, mais c'est plusieurs milliers de vues qui sont dans un territoire qui est assez restreint et qui permet de faire des choses. Et tant que les gens resteront derrière leur ordi tout seuls à angoisser sur ce qui se passe, il n'y aura pas de bonnes choses qui vont se passer. Mais dès qu'on va les sortir, qu'on va les mettre dans un, dans un rond-point, dans des réunions, dans des assemblées, dans des festivals, dans des manifs, là, il peut se passer des choses intéressantes. Donc, nous, on se, on se positionne juste comme premier relais entre euh, t'es tout seul déprimé chez toi à euh, tu fais une manif cool avec des copains et t'as suffisamment de, de trucs dans la tête pour aller plus loin. Voilà. Merci. Merci, Merci beaucoup. Merci. Donc, on, on, dans le programme est annoncé Dominique Cardon qui devait faire une réponse et un, un tour de table. Euh, mais en fait, c'est Nikos Smirnaïos ouais, qui est, qui est, est venu. Et euh, juste vu qu'on ne te présente pas dans le programme, donc Nikos a entre autres, donc il est euh, professeur à l'université de Toulouse, et il a écrit ce livre admirable qui s'appelle Les GAFAM contre euh, Internet. Euh, J'ai oublié l'éditeur et ça date de deux ou trois ans, je crois, mais c'est vraiment remarquable que je vous conseille vivement. Et donc, euh, Nikos, regarde ce que tu peux faire pour euh, répondre. Ah, aux... Merci, donc je confirme que je ne suis pas Dominique Cardon, donc euh, je suis Nikos Mirneos, je suis maître des conférences à l'université de, de Toulouse. et je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences sociales donc j'ai la lourde charge de conclure cette, ce tour de table je vais essayer de, de résumer un certain nombre de, de points et de donner un petit peu de, de perspective. alors d'abord pourquoi je suis là euh, quelle est ma légitimité euh, en fait je constatais que finalement les, les médias mainstream ils ont une, une très bonne fonction en fait dans ce mouvement c'est que beaucoup d'entre nous ont commencé à s'intéresser à ce mouvement à cause du traitement de les médias mainstream qui nous ont un peu dégoûté, ça a été aussi notre cas au sein de notre labo où on a constaté euh, en novembre 2019 que en fait euh, ce que 2018 plutôt qu'est-ce qu'on voyait dans les médias, ce dont on disait de, des gilets jaunes ne correspondait pas du tout à ce qu'on nous envoyait. Et il se trouve que bon, moi je travaille à Toulouse, je travaille dans le Tarn et je voyais beaucoup des gilets jaunes et euh, je j'entendais les gens parler et ça correspondait pas du tout à la description qu'en faisaient les médias mainstream. Donc euh, comme on a quelques compétences dans notre laboratoire, on, on s'est mis à, à chercher tout ça et en fait on a fait un traitement du, euh, du traitement, enfin on a fait une collecte des données euh, à la fois des médias et euh, à la fois dans les espaces d'expression des Gilets jaunes, notamment dans le groupe Facebook. On a comparé les deux discours et en fait on a trouvé que les discours des Gilets jaunes tels qu'ils s'exprimaient en ligne, c'était un discours qui exigeait euh, la justice sociale qui exigeait l'approfondissement la, 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 démocratique et c'était absolument pas un discours réactionnaire, bof, anti-écologique, comme on le décrivait. Donc voilà, c'était comme ça qu'on est, est rentré un petit peu dans l'aventure avec d'autres collègues. On a produit plusieurs rapports de recherche qui ont eu un certain écho. Alors ce que je peux dire aussi, ça a été dit ici, si effectivement, on est dans une conjoncture historique importante. Et c'est vrai que le, les, les explosions médiatiques correspondent aussi à des, à des moments politiques très forts. Nous sommes effectivement dans un moment politique très fort, mais qui n'a pas démarré avec les Gilets jaunes. Je rappelle juste que euh, cette explosion de l'automédia date quand même d'il y a quelques années. Je situerai ça notamment au moment de la loi travail. Vous vous rappelez peut-être du, du mouvement des places, du mouvement des indignés, évidemment, un peu, un peu avant. Euh, aussi des zadistes. Moi, j'ai un Thésar qui travaille, sur, qui a fait un doctorat sur, sur l'utilisation des lotomédias par les militants écologistes, les zadistes, etc. Donc, on a en fait différentes pôles, finalement, qui ont comme point commun euh, de formuler un, un discours contre-hégémonique. Alors, de ce que je peux entendre ici et ce que je pu voir, euh, notamment, je, je vais. Surtout centrer mon discours sur les automédias. C'est d'ailleurs très important, je pense, qu'ici, on se retrouve à discuter entre des journalistes confirmés qui ont une grande expérience dans les médias professionnels et des, des, des amateurs ou des gens qui sont euh, des militants. C'est d'abord évidemment que le, le, le support d'expression central de tout ça, c'est l'Internet. Ce n'est pas secondaire de le rappeler. Hein, c'est là où on peut aujourd'hui exprimer euh, un point de vue différent. Aussi, j'ai remarqué que. Le, le support d'expression privilégié, c'est la vidéo. Ça, c'est aussi quelque chose de très important qu'il faut noter parce que ça a des implications. Deuxième chose, on a entendu ici euh, beaucoup d'initiatives qui ont une inscription locale, une inscription territoriale. Ça aussi, c'est important parce que en creux, ça démontre également l'insuffisance totale et absolue de la presse régionale et, et locale qui jouait ce rôle jusqu'à il y a quelques années. Et on peut faire les liens avec l'évolution économique. On voit également aussi qu'il n'y a pas d'inscription politique dans les axes, notamment droite-gauche, qu'on connaissait auparavant. Il y a plutôt une inscription sur des valeurs. Donc on est pour la démocratie, on est pour la citoyenneté, euh, effectivement pour le mouvement social, mais on n'a pas forcément une inscription politique claire dans les axes traditionnels qu'on connaissait. Je dirais après quelques mots sur les enjeux de, 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 de tout ça. Et donc ça implique, une, disons, une ouverture. Une ouverture conceptuelle qui est très intéressante, mais qui peut poser aussi problème. Alors, donc, on peut dire qu'il y a l'émergence d'un espace public numérique aujourd'hui qui est très, très dynamique, qui comporte évidemment un certain nombre d'avantages. Donc, très rapidement, il me semble que le, les avantages principaux qui émergent de ce qu'on a entendu ici, c'est l'indépendance, premièrement, la radicalité, l'expressivité, y compris dans le forme. Il y a des innovations de format qui sont aussi très intéressantes, deux angles. Euh, évidemment, la capacité de donner la parole à des groupes sociaux qui étaient exclus de la parole publique jusque-là, ça c'est fondamental. C'est saisir de la parole publique dans l'espace public pour des gens qui l'avaient plus. Un cadrage alternatif des événements de ce qu'on entend la plupart du temps, et aussi de plus en plus la possibilité d'imposer un agenda différent de celui de, de médias dominants. Et ça c'est très important. On l'a vu par exemple sur la, le cas des, des violences policières où finalement, c'est des vidéos amateurs, y compris évidemment avec des, des contributions des, des journalistes professionnels comme, un, comme David Dufresne, mais avec une pression venant de la base, en fait, en fait que les médias mainstream et les médias dominants étaient obligés d'en parler. Mais il me semble, pour ne pas être dans la célébration uniquement, que euh, tout ça pose aussi un certain nombre de problèmes et un certain nombre de questions. Euh, le premier, ça a été évoqué, c'est la fragmentation de l'offre. Hein. Il y a des gens, beaucoup de gens sont perdus, en fait, face à cette multiplicité de supports, des chaînes YouTube, des comptes Twitter, etc. Et tout ça, ça implique aussi un certain nombre de, de compétences, d'usage que tout le monde n'a pas. Donc, il y a aussi des logiques de concurrence interne dans le champ qui a été évoqué, qui sont très 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 fortes, y compris dans le champ journalistique, y compris parmi les médias alternatifs, et qui peuvent poser des problèmes par rapport à la dynamique de l'ensemble du, du mouvement. Évidemment, il y a aussi le fait que comme, on, comme tout ça porte uniquement sur Internet, euh, ou la, pour, la, pour la plus grande partie, quand même on perd une partie du public qui n'est pas sur Internet. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi aujourd'hui un quart de la population française qui n'a pas accès à Internet et donc qui, d'une certaine man manière, n'a pas accès à cette information. Il y a un gros problème aussi, euh, Yves a évoqué le livre que j'ai écrit, qui est un livre des critiques des grandes plateformes d'Internet. Il y a quand même un gros problème de dépendance des plateformes. Euh, bon, on a des cas des, des censures, je ne veux pas le, le mentionner ici, des nombreux cas de censure, mais on peut aussi s'interroger sur la capacité des plateformes de définir, non pas de faire disparaître complètement une information, mais de privilégier une information qui sert à leur propre intérêt économique, notamment au détriment d'une autre. Et cette dépendance aux plateformes, c'est un problème auquel il faudra se confronter. Et puis, finalement... Sans vouloir créer la polémique. Mais cette ouverture conceptuelle, cette ouverture politique peut créer aussi des problèmes, euh, notamment de type confusionniste. On me bat dans sur les différentes chaînes d'information. Bon, je ne veux pas balancer, mais j'ai vu des choses. J'ai vu, par exemple, l'utilisation du concept de réinformation, qui est un concept très problématique, parce qu'il est instrumentalisé par l'extrême droite. J'ai vu des interviews avec des personnages très ambigus. Donc, cette ouverture-là, euh, il faut quand même faire un petit peu attention. Alors, je vais juste conclure par quelques remarques très rapides. La première, c'est, je pense qu'on est tous d'accord que désormais, on a une définition de l'espace public qui n'est plus la définition, on va dire, social-démocrate, abermacienne, la définition, de, 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 de la définition des lumières qui consistait à dire, bon, bah, on échange des arguments rationnels, on, est, on essaye d'organiser une discussion. Et puis finalement, les meilleurs gagnent, quoi. les meilleurs arguments vont gagner pour l'intérêt général. Ce n'est plus du tout aujourd'hui le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons dans un espace public qu'on peut qualifier d'agonistique et on peut utiliser effectivement le concept gramscien d'hégémonie culturelle. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, je pense, à travers tous nos efforts, c'est d'imposer une autre hégémonie culturelle une autre hégémonie informationnelle, une autre façon d'interpréter, de se représenter les événements et le monde. Et donc ça, ça doit être notre, notre lutte. Et donc, j'ai juste trois points pour terminer. Il me semble que les trois points dans l'objectif de nos ateliers et dans l'objectif d'avancer de, de, dans, dans ce projet, c'est d'abord de définir une stratégie, la démarche spontanée qui est très, très, très importante et qui est très présente parmi les initiatives qu'on a ici, ne suffit plus parce qu'en fait, il s'agit d'une tactique, il s'agit de réagir face à ce qui nous est imposé. Il va falloir, à un moment donné, qu'on définisse tous ensemble une stratégie et pour cela, il faut effectivement des instances, des, des décisions, des discussions collectives. Il faut, il me semble aussi, un éclaircissement et une cohérence politique aussi pour ne pas laisser entrer parmi nous des personnages. Euh, qui ont des objectifs euh, bizarres et avec lesquels euh, il ne faudrait pas qu'on s'aligne. Qu il y a la question évidemment euh, du collectif, dont il, il a été question, dont on va parler sûrement après. Il y a la question de l'articulation entre le professionnel et l'amateur. Comment est-ce qu'on peut faire travailler ensemble les gens comme vous, qui êtes qui des journalistes professionnels, avec des gens qui ont envie d'aider mais qui n'ont pas un projet professionnel derrière leur projet Et pour finir, juste mon dernier point, ça a été mentionné tout à l'heure, mais c'est très important. Je ne pense pas qu'il faut qu'on se dresse en guerre contre le, les médias mainstream. Il faut qu'on soit peut-être en guerre contre leurs patrons, contre les gens qui les instrumentalisent, mais pas forcément aux travailleurs de l'information euh, qui sont parfois eux-mêmes pris dans ce type de mécanique. Et donc, il ne faut pas qu'on laisse du de côté la question de la régulation des médias mainstream qui aussi ont une fonction dans l'espace public et qu'il faut qu'on revendique. Merci. Merci beaucoup. Je voulais aussi faire mon petit tour de table, mais on n'aurait plus du, temps, du tout de temps pour euh, vous écouter. Est-ce qu'il y a tout de suite des euh, interventions, des remarques Enfin, D'abord, lorsque euh, Igor m'a donné la liste des participants, je lui ai dit que c'était de la folie furieuse que d'essayer de faire parler autant de temps en espérant qu'il se laisserait seulement cinq minutes, et ça a marché, et merci, je suis super impressionné, j'y croyais pas du tout. Euh, Est-ce qu'il y a des, des remarques ça, ça Moi, je peux faire mon cinéma, mais euh, oui. Merci de nous donner la parole, donc Pascal Lisieux. Je remarque que le mouvement d'Ilée jaune, c'est un mouvement qui se cherche aussi dans son émancipation et peut-être dans sa structuration. Et euh, en vous écoutant, je remarque aussi que les, les médias indépendants que vous êtes, quelque part, vous vous recherchez aussi. Et vous, comme nous, on cherche le nombre. Et comment arracher le nombre à une forme de prison, de sécurité Un courage, on se cherche tous un courage. Je dois vous dire, euh, en tout cas, euh, je vous remercie d'exister parce que à la violence de la vie s'est ajoutée la violence répressive en manifestation et la violence des médias. et donc vous êtes aussi du quatrième pouvoir, un pouvoir qui se, peut être une appropriation. finalement aussi un combat de votre côté. Votre côté. et on parlait de démocratie. c'est peut-être le cœur du sujet justement. Que voulons nous par nous et comment construisons ce droit qui nous revient et ensemble de décider pour notre avenir commun. Alors, est ce qu'il faut demain, CSA, citoyen, euh, comment avoir un, un, un espace public indépendant et neutre, euh, notamment pour des revendications comme le RIC, puisque finalement les questions que vous soulevez euh, sont aussi les nôtres. Et la question de l'argent, ma foi, on ne résoudra peut-être pas tout aujourd'hui. Je ne crois pas avoir de questions comme ça, spontanées, pour être assez court. Mais en tout cas, je vous remercie. Et le, je pense c'est un questionnement qui ne s'arrête pas aujourd'hui qui va continuer. Merci. Merci beaucoup pour la priorité et la prise de parole. Que vous... Très rapidement, euh, je pense qu'il faut aussi louer tout le courage des liveurs. Et penser dans les compétences qu'il faut agglomérer autour d'eux, les compétences juridiques et les compétences de protection, parce que c'est devenu la chasse au liveur, c'est devenu vraiment la chasse au téléphone aussi. Je et euh, ça, ça fait partie, je pense, avec le, le problème du numérique et de la technologie. Euh, comment sortir de sa bulle sur les réseaux parce qu'on est justement euh, trop dans, nos, dans un système qui nous qui nous fait penser que la révolution est dans le quart d'heure, ça passe aussi par tout un tas d'outils qu'on peut donner à des gens qui sont sur un humain exacerbé, qui sont sur la, 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 le vécu, et je pense au vécu de la chaîne aussi, et qui n'ont pas forcément les outils que les médias, un peu plus structurés que les médias qui ont des, des compétences en com, en, en, en montage, en tout, tout ce qui va autour et qui permet de, de faire des petites vidéos, des, des petits montages qui euh, sont très efficaces et qui sortent facilement après. Je pense à Opération spéciale euh, qui n'a pas entendu. Euh, le problème, c'est la REM. Euh, Il est génial ce, 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 ce slogan-là. Et donc ça, c'est toutes les compétences qu'il faut agglomérer autour des liveurs parce qu'on voit bien que l'humain est au cœur, mais que il manque énormément de petits outils et ça, l'agence ou des choses comme ça, le problème financier, il est plus dur à régler parce que c'est des individualités souvent compliquées, quand il y a une compétition. Mais il y a plein d'autres compétences qui sont peut-être faciles à mobiliser pour autant qu'il y ait des appels et une structuration de l'appel à ces compétences. Merci beaucoup. Ouais, moi, je voulais faire une, une, une remarque sur... Déjà, je suis assez euh, amusé de voir utiliser le terme automédia couramment maintenant, parce que c'est quelque chose que moi, j'utilisais très marginalement dans certains réseaux très militants il y a, a 15-20 ans, en fait. Euh, ça a été développé dans des réseaux internationaux de lutte, dans des contre-sommets, etc., dans des, dans, des modèles, ou dans des grands campements à la fin du mouvement altermondialiste, Et ça a été transposé après dans des luttes locales, notamment par les zadistes, comme le dit si bien Hervé. Et euh, du coup, ça m'amène à ma remarque de dire, euh, là je vois avec le mouvement des Gilets jaunes, on est un certain nombre de militants qui ont euh, vécu pas mal de mouvements sociaux. Et qui se disent, mince, on réinvente encore des, des eaux chaudes une fois de plus sur un certain nombre de choses, et qui aimerions tout simplement qu'un jour il y ait davantage de place donnée à l'historique antérieur pour qu'on s'approprie ce qui a existé et ce qui ont été les pratiques autonomes d'information, notamment le réseau des Indie Médias International qui, qui était très intéressant à la sortie du, du, du mouvement altermondialiste. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité qu'aujourd'hui, euh, ceux qui s'investissent dans, euh, dans des nouveaux moyens d'information, dans des créations de médias autonomes, se réapproprient cette histoire antérieure, parce qu'elle ne peut que nourrir leurs réflexions et que nourrir ce qu'ils vont construire après. Et notamment toutes les pratiques de hacking qui ont été mises en place, notamment dans la conception des automédias, c'est-à-dire de prendre les médias, les, les moyens euh, existants d'information, que ce soit les réseaux sociaux, mais les blogs antérieurement, de se les réapproprier. Au profit d'une information pour le plus grand nombre en fait et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir euh, sur euh, qu'est ce qu'il y a eu avant et euh, comment on peut euh, toutes ces réflexions peuvent nourrir ce qu'il y aura après en fait super merci beaucoup est ce que quelqu'un veut rebondir sur ces trois propositions qu'on a eues de, de l'audience s'il vous plaît on peut dire aussi se concentrer sur ce qui a fonctionné euh, on était jusque là qu'est ce qu'il y a de nouveau avec les gilets jaunes c'est vrai qu'ils ont pas forcément inventé, il y a des choses qui existaient avant. Moi j'étais souvent interpellé dans la rue ou sur les réseaux par des syndicalistes aussi en disant mais euh, il y a eu des choses avant, avant quoi. Sauf que là ça a été vraiment euh, transversal, spontané et très visible. Et ça, ça, ça a vraiment explosé dans la, dans la société française. Bon. Le positif c'est quoi C'est que quand on est dans des médias plus structurés, effectivement on, on, on met de la lumière et on donne à voir ce qui jusque-là est était caché. On a parlé de, de David Dufresne sur les violences policières, moi je l'ai fait aussi, on l'a tous fait, on a donné, de l'a fait, on a donné la parole à, à, à des personnes qui ont, qui ont souffert, qui ont vécu ça en direct, etc. On l'a fait savoir et on l'a fait chaque fois quand même, pas chaque fois, non, il ne faut pas exagérer, mais souvent, on a mis ces questions sur la, dans le public. Et les pouvoirs publics se sont positionnés par rapport à ça. On dû répondre, on dû répondre sur les violences policières qui étaient jusque-là complètement niées, annulées, euh, passées par pertes et profits. On, on, on a parlé sur sur le coronavirus aussi. On a, il y a eu des lanceurs d'alerte, etc. On a posé un certain nombre de questions. Et chaque fois, on a vu. Et ils vont pas le reconnaître. Hein, ils vont pas dire j'ai suivi le live d'un tel et, et je vais lui répondre. Mais et même, on parlait tout à l'heure de Simet même, il y a quelque part une façon de singer ce qui a été fait dans la rue par les Gilets jaunes. Vous avez vu, quand elle fait son point presse là, avec les réseaux, etc., bon, c'est un peu ridicule. Elle n'a pas trop l'habitude, ce n'est pas grave. Mais même BFM, j'ai vu cette semaine, c'était très drôle, il y a deux jeunes qui sont en voiture, qui sont lancés dans des lives. Alors, ça ne marche pas, parce que ce parce n'est que pas sincère, tout simplement. Mais, je veux dire... Donc il y a une première bataille qui a été gagnée sur le mode d'expression, sur la forme, sur la relation au réel et sur la relation du réel. Ça c'est le premier point. Mais sur le fond aussi, ça a obligé les... Le mainstream, le monde politique n'aime pas qu'on mette de la lumière sur les pratiques qui doivent rester dans l'ombre. Eh la première des choses à faire, c'est de continuer à parler et à, à projeter ces petits faisceaux de lumière. Parce que petit à petit, ça, ça, ça devient quand même éclairant pour tout le monde. Et donc ça, ça marche quand même. Ça marche beaucoup. Euh, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces présentations très brèves. Merci encore à Igor pour l'organisation. Merci beaucoup à toi, Yves. Bon, Yves est un grand spécialiste de ces questions-là. Donc là, il s'est plié à une tâche qui ne met pas en valeur tout son savoir. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout cela et d'approfondir cela durant le temps des ateliers. C'est vrai que...